Amen. J'ai passé une mauvaise semaine. Pendant cette semaine, j'avais mal à mon épaule droite. Et quand j'avais dit mal, je ne pouvais pas bouger mon bras, je ne pouvais pas faire rien pour moi. J'avais une salle, mais ça m'a dit pour faire bouger. Seigneur, je suis heureux de vous faire bouger. Je suis heureux. Que volonté soit faite. Amen. Et dans ma vie, tout en s'en fout à toi, on va dire Seigneur, Seigneur, si c'est le volonté pour moi, je m'en s'en fout à toi, que volonté soit faite. La vie, je l'essaie d'avoir comme ça. Ici, on est là, on a trop de stress, on a trop d'angoisse. Elle dit, on va en parler, mais il faut en parler. En parler avec qui? Avec vous? Ou c'est l'homme? Il dit, il faut en parler, on va pas là-haut. Amen. Amen. Je
Je vous aime, mon peuple, mais je n'aime pas le péché.
je n'aime pas de péché, mais j'aime le pécheur, mais je n'aime pas de péché. Ce matin, revenez à moi, mes enfants, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Thank you.
Thank you.
C'est un jour,
dépouille, Satan, oh, Seigneur. Et tu dépouilles, Seigneur, les démons, Seigneur. Oui. Tu l'influences pour les diriger, Seigneur, en faveur des païens, Seigneur. Tu ramènes cela, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, par nos offrandes, par nos dîmes, Seigneur, que nous amenons, Seigneur, ce matin, Seigneur, dans ta présence. Merci, Seigneur, de sanctifier ces influences, Seigneur Dieu, et de ta bénédiction, parce que tu as dit, Seigneur, quand nous donnons, Seigneur, la dîme, Seigneur, tu ouvres le ciel, et Seigneur, que ta parole, Seigneur, ce matin, aux gens pratiques, que tu s'ouvres dans la vie de ton monde, et tu prospères, Seigneur, à tous égards, Seigneur, selon ta parole, selon ton promesse, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, bienvenue à tous dans la présence de Dieu et bienvenue, bien sûr, à écouter la parole du Seigneur. Ceux qui sont là, ceux qui nous suivent en direct. Donc, c'est une jolie bénédiction de recevoir et d'entendre la parole du Seigneur. Amen. Alors, nous laissons la précision, la prière, la parole du Seigneur, pour tous ceux qui sont fidèles de la vie, même ceux qui sont seuls. Qui va être fidèle, soyez là demain à partir de 19h. Et mercredi, nous n'aurons pas encore vu ce qu'on voit sera dans le mercredi, le mercredi prochain. Et jeudi, nous allons retrouver pour notre réunion d'enseignement et d'éducation. Et dimanche, bien sûr, comme tous les dimanches, nous allons nous retrouver ensemble pour célébrer le Seigneur pour un culte raisonnable. Amen. Et dans quelques instants, nous allons prier, bien sûr, pour la sœur Angèle, c'est-à-dire notamment pour notre sœur Élise, hein, qui est entrée à l'hôpital lundi dernier. Elle a été partie au bassin. Dans son âge, dans la raison, que le Seigneur grâce à cette sœur et que son départ soit entre les mains du Seigneur. Alléluia. Voilà, les hommes aussi, pour le frère et soeur, il y a des gens qui travaillent le dimanche, et d'autres qui n'ont pas pu lire, que Dieu puisse les garder, les protéger, et que le Seigneur puisse les fortifier. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, je vais continuer dans la deuxième partie, et donner votre main à Dieu. Amen. Nous avons vu dimanche dernier ce que cela signifie, ce que cela symbolise pour nous quand nous donnons la main. Et j'ai cité pas mal d'exemples, mais ce matin je vais avancer un peu dans le spirituel. La main de l'Église représente dans le spirituel, on parle de la main de Dieu, c'est la bonne main. Amen. Amen. La meilleure main, c'est la main de Dieu. Alléluia. Alors, la main, premièrement, l'ennemi, ça signifie la puissance. Amen. Quand tu mets ta main, c'est-à-dire ta foi, ta confiance en Dieu, ça, Dieu te donne la puissance. Amen. Pour recevoir la puissance. Quand vous voulez, la main, l'ennemi, la main représente l'autorité. La main représente l'autorité. La main représente aussi la force. Quand vous semez quelque chose, on prend par la main. Que la force se dégage. La main représente aussi, bien aimé, ça, le pouvoir. Est-ce que vous avez le pouvoir? Je ne sais pas. Vous voyez, parce que Jésus dit, parce que je vous ai donné le pouvoir. La main, Seigneur, ça, remis ça, le pouvoir dans nos mains. Et le pouvoir, bien aimé, on comprend que quelqu'un a mis sa signature là. Maintenant, il y a le pouvoir à travers notre signature. Sinon, avec toujours nos mains. Et la main, c'est aussi ça. L'approbation. C'est l'approbation, on soit l'approbation, on soit la bénédiction, là, il y a un pardon, et je vous ai donné, nous sommes cinq, qui touchent, bien sûr, la grâce. Alors, sur la tête, il y a Dieu veut prendre votre main à la plus de main de votre vie. Amen. Amen. Si vous réalisez des vies dans une journée, ça, nous utilisons nos mains à pour plus de choses, tu ne peux pas même calculer. Bonne chose, bien sûr. Pas pour frapper, pas pour voler. Un jour, j'ai déjà entendu ce témoignage, une soeur en train de me en disant qu'il faut son fils, parce que son poignet, ça, est cassé. Et je dis, ma soeur, je prie pour mon fils, ça, afin que sa main, que je fais à Dieu, ne tourne pas pour aller voler. C'était une parole prophétique. Et vous savez, quand j'ai guéri, Dieu a guéri ça, parce que Dieu est dans sa parole. Dieu guérit ce jeune homme-là, je ne vais pas partir battre. Bagarrer, voler,
Le Seigneur, c'est la main de nous emmener à comprendre. Bien sûr, il y a la puissance de la main, il y a le bon Église, il y a le pouvoir, et nous voyons aussi dans la main de ceux que Dieu nous a donné l'approbation, il y a la force du Seigneur. Et Dieu veut sur la terre, souvent les femmes disent que nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Mais soldats de l'Église, il n'y a pas à avoir des mains ambitieuses, des mains qui sont faibles. Combien j'ai vu les chrétiens avec les mains, parce qu'il s'agit d'entrer dans le combat, entrer dans la bataille, ils baissent la main. Et quand on baisse la main, que Dieu bénisse sa parole dans le cœur des gens qui nous écoutent ici. Les gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde, que ce message puisse les conseiller et les rapprocher ce matin, de même de poser la main en image du Christ. Alléluia. Parce que lorsque nous avons des problèmes, nous avons vu un peu ce qu'on a dit, Seigneur, je remets mon problème entre les mains, nous avons vu la croix, mais Jésus a déjà tout pris dans ses mains pour nous. Même dans sa mort, et maintenant le Seigneur est Dieu, tu es des mains fortes. Le Seigneur est Dieu, tu es des mains puissantes. Amen. Amen, ah, vous allez en fait. Hein? Pas de mains fatiguées. Vous savez, quand quelqu'un est fatigué, vous allez pourquoi les aimer. Quand quelqu'un est fatigué à l'intérieur, vous allez voir la main. Et ça, il va même plus laver ses mains. Il va plus même prendre la soin de ses mains. Ça me pense un jour, il y a un seul qui a. C'est voilà le Seigneur, et je ne sais pas combien de démons ont entré en elle, quand vous ne pouvez plus regarder la grandeur, à la longueur de l'ombre. Hein? Parce que elle a déjà dans le bon père de même élevé, je peux vous dire tout grand. Hein? Tout grand. Au niveau de la tête, c'est grand. Quand tu n'as pas les mains qui ont les forces d'élever les gens, ben tu ne peux plus aider ta tête. Amen. D'accord ou pas? Quand tu n'as plus la force dans tes mains, tu n'as plus le pouvoir dans tes mains. Tu ne peux plus brosser les dents. Est-ce que tu as des nécessités pour tes mains chaque jour? Moi, je vais dire Dieu. Parce que c'est maintenant Dieu. La Bible dit que Dieu est utilisé en tes mains de sa part pour faire des miracles, des prodiges, des guérisons. Alléluia. Et je vais dire Dieu. Je dis merci pour cette main-là. Parce que cette main-là, on va prendre des connaître. Cette main-là, c'est la frappe des gens. Vous êtes là? Cette main-là prie. S'il a rien. Nous avons même des sangs. Pourquoi les bons? Pour les aussi, pour les bons mains. Pas qu'on reste. Quand nous sommes les enfants de Dieu, avant de dire, oh, je te donne mon cœur, mais amen. Ah, si, déjà, je te donne mon cœur. Ah, oui, je t'aime, mais amen, on m'apporte. Moi, j'ai une femme qui m'a la même chose. Qui exerce mes mains dans ton âme
mais gloire à la fin. David n'a pas vaincu le chien Goliath et Mécha en disant oh, j'ai la présence de Dieu dans mon cœur. C'est bien, très bien, fort. David n'a pas vaincu le chien Goliath et Mécha seulement avec quelques paroles. Mais il a dit, bénisse-toi, l'éternel mon rocher, qui cesse du mal pour moi et du droit à la bataille. David est le cinquième élève dans sa pompe, mais le seul est suffisant pas pour faire descendre le grand chien Goliath qui a mis la brouille, la peur par les gens, le peuple de Dieu en Israël. Nous sommes totalement aussi. Alors, je t'invite ce matin de la part de Dieu, ça. Donne ta main à l'éternel, parce que tu entends le combat. Mais si dans le jeu de combat, tes mains sont l'horizontale, tu seras vaincu. J'ai vu trois chrétiens de l'Église qui criaient, qui se faisaient fort, qui disaient Satan, toutes sortes de paroles, des mains, des injures. Mais ça, au lieu que eux, Jésus a déclaré que nous avons vaincu le diable, c'est le diable qui a les vaincus. C'est pas normal qu'un chrétien ne vienne pas. Parce que la parole de Dieu avait dit que nous l'avons vaincu. Amen. Nous l'avons vaincu. Or, ce matin-là, tu dois savoir si tes mains sont totalement dans les mains. Pour que là, tu dois seulement penser. Si tes mains sont de toi et plus exercées dans les choses en dehors du Seigneur, ça veut dire que ta main, là, tu prends quand tu veux. On ne doit pas prendre notre main quand on veut et quand on veut l'ennemi. Sinon, on va frapper les gens si vous êtes en colère. Sinon, si vous allez faire quelque chose de ton prochain, amen. Personne ne voit, je vais regarder les gens, je ne vois personne là, je vais passer la main. Est-ce que ça existe les chrétiens en main? Non? Oui, ça existe. Ça existe. Dans l'église, non, j'ai déjà vu. Parce que dans la réunion, partout dans notre pays, il y a des chrétiens. On voit que les gens entrent avec leurs mains, ils utilisent. Il faut que vous. Mauvais usage avec leurs mains. Alors, la vie, ça. Bénissons l'éternel, mon rocher, ça. Qui est ça, mon refuge, ça. Celui, ça, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Dieu n'a pas voulu seulement élever ça. Agir pour nous. Il va continuer d'agir pour nous. J'ai convoqué un peu, ça. Je sois à la fin de la réunion. Je me pense très bien. Dieu combat pour nous. Mais n'oublie pas, bien-aimé, que Dieu combat avec nous. N'oublie pas que Dieu combat avec nous. Je crois que Jésus a représenté sur la terre pour combattre notre place. Il n'a plus de raison. La seule raison, c'est bon, quand on prend l'église, à la fin. Parce que le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir sur nous. Maintenant, tu as le pouvoir, la même raison de pouvoir, tu as le pouvoir du Seigneur entre tes mains. Alors Dieu combat pour nous, mais Dieu combat aussi ça avec nous, bien aimé. Comment Dieu combat avec nous, la parole de Dieu montre, il est en nous, il combat à travers nous par son esprit. Est-ce que tu es conscient de l'esprit de Dieu en toi? Est-ce que tu es conscient de l'esprit de Dieu en toi? C'est pas l'esprit de toi, c'est pas l'esprit de toi, mais c'est l'esprit du Créateur. C'est l'esprit de la vaincue. C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus dans le monde. C'est l'esprit de vie, c'est l'esprit du Père, c'est l'esprit du Seigneur. Même l'esprit qui a dirigé la main de la Bible pour faire le sort le géant Goliath. C'est le même seul esprit maintenant qui est dans Dieu, sur l'Ancien Testament, était avec nous. Et aujourd'hui, c'est plus sur la grâce à Dieu qui est dans l'homme. Amen. Et lorsque nous avons reçu, nous avons été plongés dans le baptême du Saint-Esprit, et chaque jour,
lorsque tu t'oublies avec le souci de la mission, tu pars dans l'orga et tu ressens que le feu que nous avons chanté ce matin, le feu se ranime à travers la prière en esprit. Dieu est dans nous, il nous a donné son esprit et il nous a donné aussi sa parole. La parole de Dieu est dans nos mains. Vous avez la parole de Dieu dans vos mains ce matin. La parole de Dieu, bien aimé, est dans notre bouche. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est dans ta bouche. Et la parole de Dieu est dans ton cœur. Juste, il agit en toi par sa parole. Dieu parle à travers ta bouche, à travers sa parole. Et Dieu agit à travers tes mains par sa parole. Oh, chrétien aujourd'hui, attends que Dieu t'attaque par lui. Mais quand tu regardes dans le psaume 144, c'est pas Dieu qui est en train d'envoyer le combat à la place de David, mais David dit ça, c'est Dieu qui exercite ses mains. Amen. Le Seigneur cesse de mettre la bonne utilisation. Quand je regarde la vie des
pousser les mal aux malades. Et quand il y a eu des morts, Jésus a fait pousser les mal à ces morts. La Bible dit, il mercy à Jésus. Posez-vous la question, si tous les chrétiens de l'Église de la Bible salut de son âme en Jésus-Christ sont alignés leurs mains dans le même Seigneur, chaque matin, quand tu réveilles, tu menaces. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à menacer? Les gens qui pensent à l'ennemi, ils vont faire la brique. Non, tes mains ne doivent pas tomber. Vous savez, l'ennemi va un chrétien, un enfant qui tremble devant l'ennemi. La Bible dit que Dieu va nous faire trembler encore trois fois. Vous trouvez? Et c'est pourquoi lorsque l'ennemi t'attaque, lorsque tu recules, tu n'empêches pas le combat parce que tu n'as pas refusé de mettre tes mains dans le même Seigneur. Tu prends. Et lorsque tu mains dans ton déjà, dans la zone de quelqu'un. Là. Tu me l'as dit, c'est l'eau, c'est son esprit. Oui, comme il y a un chrétien, un autre, c'est vraiment un chrétien. C'est quoi ça? Le chat a gagné ta main! Je dis le chat a gagné ta main! Mon gars a gagné ta main! Et Paris! Je ne peux pas faire au mon Dieu. La honte ne va pas tomber sur Dieu. Qui est venu me faire au son? Hein? En tout cas, on parle de mon Dieu. Si tu dis ton papa est obligatoire, il est critique à foncer ton papa, il est méchant, il va être plus en foncer. Alors ce matin, ton Dieu, il a fait détruire la tête et dans la queue. Alléluia. Alors il est né, il veut faire bon usage. La bonne utilisation de tes mains, c'est que la vie a compris celui qui exerce. Mais pour que Dieu exerce le mal de toi, dans le combat et dans la bataille, il faut faire le même enseignement. Et David n'est plus seul en France. Il avait compris qu'il fallait remettre ses mains au temps de l'homme du péché. En les mains de l'éternel. Il pouvait lui-même déchirer le lion. Il pouvait aller combattre contre les ours. Il venait pour attaquer le péché. Alors le Seigneur veut que ce matin je monte avec lui. Je dis que le Seigneur veut que je monte avec lui. Et la révélation ne garde plus maintenant que la vie. Ne garde pas tes mains en réserve pour les choses que tu vas te faire plus du mal que du bien. Alors, c'est pour la bonne utilisation de l'Église concernant les armes spirituelles. Hier, j'ai vu une image, je vais pas commenter par contre sur une chose que je vois concernant sur la parole. Mais je dis que Dieu aide cette personne. Je vois les gens qui font des dessins. Pas d'autre. Et j'ai une possibilité sur l'Écriture. Il y a écrit les sept armes spirituelles de l'Ephésiens 6, à partir du verset 10. Soit verset 18. Et je dis, c'est bon, de faire une seule, de donner toute bien distinction des armes spirituelles. Mais j'en ai une possibilité sur l'âme de venir les temps de moi dans la diapositive. Voici l'exercice des armes spirituelles. C'est tout les jolies ça. Je parle ce que je dis. Mais où est son niveau? Où est son niveau? Où est les gens qui viennent dans le spirituel du combattre avec l'enfant? Quelle confrontation il a déjà eue? Comment il a eu son combat? Sans emmener le combat, il n'a pas de victoire. En quoi? Et quand tu es même pour tu es sorti de la gueule, là, on peut dire, il doit rester. Tant que tu n'emmènes pas le combat, tu ne peux pas dire que tu as gagné en même temps. Tu ne peux pas dire que tu as gagné ce tel démon. Tu ne peux pas dire que tu as gagné ce tel principauté. C'est pourquoi je dis, il y a des chrétiens qui donnent beaucoup, beaucoup de travail comme je vois à l'église de l'Évangile. Parce que même, il parle des armes, mais il ne prend pas les armes dans le main. Il n'utilise pas les armes que Dieu les a données. Alors, mes amis, avec tes mains, tu peux te défendre et tu
peux aussi frapper. Quelqu'un te frappe, tu peux le défendre avec tes mains. Tu peux arrêter toutes ces personnes avec tes mains. Mais si tu n'as pas exercé, tu n'as pas exercé tes mains, vaut mieux que tu défends avec tes mains quand la personne n'a même pas déjà posé sa main sur toi. Ça, le plus grand, je les aime. Je n'ai jamais accepté ça. Non. Mais la raison, bien aimé, on va laisser le volet du Seigneur. J'ai pu exercer mes mains dans le Canada, dans Jidoka, avec des professeurs, c'est eux qui étaient chrétiens. Mais ils m'ont appris comment tu utilises mes mains dans le combat. Parce que tu ne peux pas taper ce monde et après la langue sonne. Mais si tu fais bon usage avec tes mains, tu n'as pas même besoin de frapper avec toi. Une fois, je me rappelle, dans ma jeunesse, quelqu'un qui était bien chez moi, plus robuste que moi, il avait seulement connu, je vous avais dit en ce sens-là, il avait entendu que j'ai quitté le foot pour certains temps et que je suis en train d'entraîner ça, le jus de main. Et il est venu me tester pour voir si c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui était plus. Je ne suis pas quoi, hein, il était plus grand que moi. D'ailleurs, il n'avait même plus ses pieds, il n'était plus à chez moi. Son pied allait passer sur la terre. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas frappé cette personne. Je n'ai pas remonté par cette personne, vous allez faire ça. Voilà, levez ses pieds pour frapper. Je me suis défendu. Il est parti dans un arbre bois. Je le regarde comme ça, je dis ça. Il a cessé de me dire bonjour. La honte est tombée sur lui. Et depuis ce jour-là, il m'a respecté. Parce que celui qui frappe les mains, qui est le plus fort. Parce que j'ai appris ça, on apprend soit le karatéka, soit le jidoka, mais ce n'est pas pour frapper les gens. Plutôt pour se défendre. Ça m'aide beaucoup dans le ministère. Vous voyez, je sais merci parce que tu as permis que je passe par cette école, cet apprenti, non pas de m'attacher, mais ça m'aide beaucoup dans le ministère. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont levés contre moi dans le conseil de cachette. Ah, ils sont venus m'appeler sur les mains, faire pour venir pour les défendre. Voyez-vous, les gens sont. Ah, ok, on va descendre. Non, je dis non. Merci Seigneur pour la grâce qui m'a fait. Alors, bien aimé, avec la main, on peut donner, on peut frapper ça, mais avec la main, on peut se défendre. Avec tes mains entières, tu peux donner un concours. Mais ton concours, cela ne veut pas dire que ton ennemi va rester assis, va plus se relever. Tu peux lui donner un concours, mais il va se relever. Parce que tu as pris ce mot à exercer ça tout le temps. Mais David aussi parlait de moi. Ça veut dire, je disais tout à l'heure. Vous savez, l'aimé, on ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas lever les yeux d'une personne avec la main. Mais par contre, si vous avez un bon usage avec la technique, avec deux doigts, vous pouvez lever les yeux. Mais si tu prends deux doigts, sans que la personne qui n'est pas en défense d'un riche, vous allez taper fort dans ses yeux, vous allez crever les yeux. Ne faites pas ça. Je vous en supplie. Amen. Ne faites pas ça. Mais par contre, l'aimé, c'est un jour quelqu'un. Ça, je le dis parce que c'est gratuit. Comment tu peux défendre quelqu'un qui te donne deux doigts dans le cas de Dieu? Je le sais, t'es la cause. Vous comprenez, l'aimé? Alors, c'est juste pour lire ta Bible. Oh, je dis David, merci, tu as passé avec les animaux, et moi j'ai entraîné avec les autres, mais il m'a pris comment défendre ton visage. Et tout cela, l'aimer, c'est juste pour vous entrer dans le spirituel. Il ne faut pas que le diable prenne le Dieu. Il ne faut pas que le diable nous rende aveugle, mais c'est nous qui va rendre le diable aveugle. Amen. Quand tu exerces ça dans la bataille, dans le combat, dans la bataille, les méchants,
chat, il est dans les ténèbres, vous allez vous envoyer l'arme du martyr. Il faut que le mal s'exercice. C'est ça que je veux dire. Alors, je conduis. Le pouvoir, c'est le départ de la lutte. Quand la bêtise cesse les mains au combat, le combat, quand tu engages le combat, c'est le départ. Bien-aimés, combien de chrétiens se sont engagés dans le départ du combat concernant la prière? L'heure de la prière n'est pas terminée, vous en êtes le combat. La victoire était là à ce moment. La victoire était là peut-être à 5 minutes, mais ça, ils ont été. Ils sont dans la phase du départ concernant la bataille. Quand tu engages une bataille, c'est le départ, c'est le combat. Mais la La bataille est riche, c'est plus violent. Là, vous avez des gens frappés. Ah, c'est qui sont là, qui sont fidèles. Le baptiste, quand nous commençons à rentrer dans le combat, ça y est, nous commençons à faire la gaffe. On commence avec un soldat. Et après, il y a quand les riches, vous allez entendre les tonnes de l'église. Vous allez voir les frères et sœurs qui commencent à être agressifs. Parce que ça, Dieu ne nous a jamais promis. En 41 ans, Dieu ne l'a jamais, jamais, dans la mort de le Sisa, bien-aimé qu'on s'engage. Dieu est avec nous, et Dieu est en nous. Alléluia. Alors, n'arrête pas seulement à la bataille, au combat, mais entre à la bataille. Et quand c'est la bataille, c'est devenu un choc. On ne peut pas dire que jusqu'à le combat, nous sommes là. On est tout frais, on est là, oh, c'est très bien, on est blessé. Il y a quelqu'un qui rentre dans un combat de déjà, qui est blessé, moi je dis qu'il n'y a pas de foi. Ça sent l'homme. Et quand on rentre dans la bataille, c'est là que les choses vont commencer déjà pleinement à devenir de plus en plus, plus en plus sérieux. C'est là quand tu rentres dans la bataille. Je commence à méfier. Je commence à voir des démons qui commencent à sauter. Je me rappelle, à un moment, je pense, avant que mon père parte au ciel, un dimanche après-midi, j'ai rentré dans le combat parce que l'Esprit de Dieu a montré de rentrer dans le combat pour lui. Et pendant que je suis en train de m'allonger avant de dormir, et j'ai fait moitié sommeil, je vois les petits démons dans les petits cercles qui commencent à sauter. Ils me sortent comme ça. Il dit, ça m'inquiète. Et le démon part dans la chambre de mon père pour venir, moi je vais par en bas, pour attaquer mon père. Il venait en bas pour moi si je ne comprends pas. Que c'était passé. Dans mon sommeil. Quand j'ai dormi. Je pensais que peut-être que vous êtes pas comprises. Mon esprit est déjà en combat. J'ai commencé à prier en langue. Vous savez, quand tu dors, ton esprit reste un esprit ouvert. Quand tu vas mourir un jour, ton esprit va rester ce que tu es dans le Seigneur. Quand l'esprit que tu as reçu, qui est né dans la même parole que Jésus est né, la parole de Dieu qui est dans toi, la vie de Jésus qui est dans toi, quand tu penses à ce que la terre, dans ton corps, mais ton esprit, c'est l'esprit qui est régé, ressemblé, et ton âme ensuite, ton esprit est sauvé. Déjà, quand les démons sortent, je prie les deux et moi j'ai fait comme ça dans mon esprit. J'ai entendu dans mon esprit, les démons disent ça va être dans le sol. J'ai envie que les démons sortent pour tout temps avec moi. Plus jamais ces démons sont venus. J'ai rencontré ça pas souvent, même quand j'étais en mission dans cette année. C'est pourquoi les gens parfois, quand ils sont en mission, c'est aussi pas en vacances et pas en congé. Et je peux vous dire, mes amis, le diable connaît les gens qui sont dangereux. Le diable connaît les gens qui leurs mains sont exercées par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Donc, je veux dire ce matin, est-ce que tu veux que le diable te reste tranquille? Il est avec toi. Il va te le faire. Mais il faut que tu emmènes la bataille de Dieu.
jusqu'à la fin. Ce que Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, mes amis, ça, le combat, c'est le départ de la lutte. Mais quand tu rentres dans la bataille, c'est le combat de les avancer avec violence. Et si l'Éternel n'existe pas en main, mes amis, ça, nous allons reculer. La Bible dit, comme je citais tout à l'heure, quand Jésus était sur la terre, la Bible dit que Dieu menaçait à des démons des cieux. Menaçait. Parce que Jésus savait que ses mains étaient ouvertes par le pouvoir, par le comité de son Père, qui lui a libéré. Dieu nous a donné le Jean 15, verset 16, verset jusqu'au verset 20. La Bible dit ça, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et Jésus n'est pas arrêté là. Il a dit, ma cible est là, qui m'a parlé, mon Seigneur. En parlant du Seigneur, ils vont chercher des témoins, ils vont parler de lui, ils vont même pousser de l'homme malade, de l'homme malade. Ils vont cesser les serpents, comme je veux dire. Ce n'est pas le diable qui doit te rendre la c'est toi qui dois rendre la belle. Et c'est un moment que je rentre dans le droit, avec le Père d'Esprit, avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Vous allez vous sentir dans ce sens. Et c'est là que je peux t'attendre beaucoup et grand change. Jésus l'aimait, il menaçait. Avec tes mains, tu tremblantes devant les riches. Quand tu mets, tu remets tes mains dans les mains de ton Créateur, de ton Dieu, ça, le Seigneur là, il va faire trembler les mains des ennemis. Pourquoi les ne tremble pas devant les riches? Vous savez, moi, j'ai lu tel qu'on est une immense. D'accord, c'est le drame même que nous parlons de Seigneur. Et quand je vois les chrétiens qui sont baptisés, je vois baptisés le Saint-Esprit, là, oh, c'est eux qui vont ajouter un problème. Je dis là, c'est pas l'homme de Dieu, l'homme de Dieu est là pour nous aider, pour nous aider. Il va pas combattre à notre place, même quand je regarde. Moi, j'ai appris des gens pour ça. Je jouais, j'ai fait la vidéo, on a pris pour moi, alors je crois que j'ai délivré de ça. Mais vraiment, je dis maintenant, tu écoutes ça. Tu dois marcher. Je vais t'aider, mais il faut que tu déclares. Si tu crois que Jésus est ton Seigneur, que Jésus est le Fils de Dieu, ça, que Dieu a fait ce mort, tu es entré dans ton salut, tu es entré dans ta victoire, il faut la déclarer. Il ne faut pas que les autres se voient des places sur toi. Sinon, on est le ça. Alors je fais tout le combat pour les gens. Il vaut mieux que nous puissions comprendre la parole. Notre Dieu est fort. C'est notre Dieu qui nous donne la force dans nos mains. Amen. Notre Dieu jamais en fait pour les gens. Sans Dieu, comme Jésus-Christ le monde. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, et c'est pourquoi quand les gens regardent Jésus en disant, mais qui, quand celui-ci qui jette les démons et prennent le côté déjà, mais les gens, ils ont compris. Vous voyez que je me sers du plan pour faire les plats? Non, tu as la foi en Christ. Tu as besoin de te remettre en tes mains, Seigneur, et de t'engager chaque fois le bras avec la force que tu dois donner maintenant. Alléluia. Alors, mes amis, Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Le Seigneur, il est avec vous. Mais c'est ma vie qui va engager la tâche, ni le combat. Il a dit, je vous ai donné, je suis avec vous, et je vous ai donné pouvoir. Pouvoir en mon nom. Vous allez marcher sur les serpents. Quand tu marches sur les serpents, tu es en paix. Tu vas être muni, ça. Pour pas Satan, tu vas te munir, parce que Dieu connaît ça. Parce que quand tu te munis, qui munit pas Satan, ça veut dire que Dieu n'accepte pas ça. Alors, Jésus dit que nous allons marcher sur les scorpions, nous allons marcher sur les démons. Et Jésus continue en disant, nous allons marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aime bien ce verset, et Jésus le fait en part que nous avons aussi tout à l'heure. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont plus en mon nom, ils vont saisir. Le diable nous saisit. C'est pas le diable qui va le séduire. Mais si au moins, les bancs cachés, ça, en les mains de Dieu, pour le combat et la bataille, c'est là dont j'ai l'enjeu en argent. C'est pas compliqué.
mais remets une main entre les mains du Seigneur. La main que tu t'interpelles ce matin, toi, que tu veux, Romain, nous avons vu un peu dimanche dernier, ça, de mettre ta confiance totalement. C'est-à-dire, tu as la foi, tu crois en Dieu, ça, mais ça, tu es celui ça, qui est assis dans la parole de Dieu. Tu es assis dans les promesses du Seigneur. Quelqu'un qui a le droit, notre foi, c'est la main de Dieu. La foi, c'est le sixième sens, et c'est le sens spirituel que Dieu nous a donné ça, afin de recevoir des bénédictions pour bénédiction de Dieu. Mon juste vivra par ça. La foi, c'est ta main. C'est-à-dire, quand tu demandes, tu crois, là, c'est ta foi, et là, dans la main, là, elle reçoit. Nous pouvons gagner les combats, les batailles de l'Église, comme Paul a recommandé Timothée en disant Timothée, combat le bon combat. Et le bon combat, c'est le bon combat de Dieu. Pour le chrétien, combat le bon combat. On a la chair. Montre les gens qui sont capables de prier. Montre les gens que voilà, ils sont des chrétiens. D'aimer. Ça, c'est un obstacle dans le combat. La Bible dit que nous nous humilions sur la main puissante de Dieu. Vous savez, à chaque fois que j'encourage dans un nouveau combat, dans une nouvelle bataille de l'Église, je m'humilie sur la main de Dieu, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui va nous aider. Ouais. Tout combat, tout bataille, nous sommes ensemble. Parfois, il y a des choses étranges qui arrivent dans le combat, dans le bataille. Voici ce qui se passe dans la vie chrétien, il se découvre. Du problème là, mais ce problème, ils ont bien raison. Problème là, maintenant il peut bien voir. Après, le problème là, il faut Dieu là. Mais on fait au Dieu qu'on parle ensemble. C'est pourquoi le Seigneur n'aime pas quand quelqu'un se retire, quand quelqu'un recule dans une bataille. Parce que bien-aimé, si on sort par le cœur, le Seigneur n'est pas lui. Et si on sort par le cœur, bien-aimé, ça, quelque part dans notre vie, on sera handicapé. Alors Jésus nous a donné le pouvoir. Il a remis le pouvoir entre le maître et lui. Et l'apôtre Paul dit ça, si Dieu est pour nous. Est-ce que vous voulez la suite? Si Dieu est pour nous. D'accord, d'accord. Si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous. Je t'engage dans la bataille, tu t'engages dans le combat, c'est là que je veux.
si le besoin est en eux, je relâche les anges. Vous croyez que Dieu relâche les gens pour les gens qui disent ah, Dieu, s'il te plaît, Dieu me fait pitié, ça, je dis à faire une tête par cul. Je veux les voir soldats. Amen. Un soldat de Jésus-Christ. Amen. Un soldat dans le Dieu, cette histoire. La religion, c'est des actes. Et dans le corps, ils sont des soldats. Amen. Dieu peut dire, je suis un soldat de Jésus-Christ. Un soldat de Jésus-Christ. Qu'un soldat, ma peur, il soit bien. Amen. Et quand tu viens à l'église, là, pas seulement dans le naturel, mais quand tu marches, tu fais des délances spirituelles. Tu ne marches pas comme ça. Alors, c'est pas ça. Bien, parce que. Non. Quand tu arrives là, gauche, alors, en plus, tu me si tu vas là. Ah, ça, c'est la liste. Ça, je veux bien. Mais, à l'autre, je me suis déjà engagé, ça, depuis ça, avant l'ordre de lui, que le soleil se lève, le soldat et les entrées de la bataille de l'église. C'est là que je me déclenchis. Parce que sinon, vous voulez le plus. Tu m'aimes. Je vois le ciel, je vois le temps, mon dimanche matin. Oui, 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 il est en train de faire, je ne sais pas quoi, au ciel. Mais Dieu, je dis que Dieu est en train. Amen. Que porte sa conscience, que porte la situation, mais Dieu reste toujours en vie d'état. Alléluia, parce que je vais appeler, je vous souviendrai. La seule chose que le Seigneur a fait pour nous.
Seigneur, que tu parles de Dieu, que ce coup est possible, ce peut-être est possible. Mais quand je m'engage dans la bataille, quand je m'engage dans le combat, comme les tiens, ils croyaient qu'ils n'allaient pas être tiens avec leur message au sujet de toute la vie. Mais la Bible dit que Jésus, son coup, n'était pas penché au ciel quand tu sors au garde. Il le dit que Jésus dans le ciel est assis, mais ce jour est venu. Vous savez, le roi dit, c'est maintenant je t'accueille parce que tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Maintenant, prends dans les mains du Seigneur, tu deviens un vaillant héros. Vous en pouvez, voyez-vous? Hein? Vaillant? Zéro. Hein? Zéro que se regarde. Et quand il dit, vous êtes tous des zéros, non? Mais Jésus qui est venu, il a pris ton mal, je vais te donner au Seigneur. Et maintenant, tes mains se trouvent dans les mains du Seigneur. Il est déjà venu dans un pas. Et si vous passez le mal devant des millions, et devant des millions des zéros des mains, ça fait des millions de zéros. Amen. Je ne suis pas aimé, pour certains bien sûr, je suis d'accord, je n'aime le roi. C'est quoi que vous l'avez dit, je n'ai pas le droit d'être malade de la vie. Je n'ai pas le droit d'être fatigué de la maladie. Je n'ai pas le droit de bailler. Si je ne parle pas de l'église, je plonge la tête sur l'eau parce que je sais que peut-être vous n'avez pas le droit, mais le Seigneur va vous aider. On va tout vous bailler. Nous sommes tous dans la vie. Le Seigneur fait de nous un être. C'est la Dieu en haut, tu ne parles pas. Et les héros du château n'ont pas à parler des méchants. Alors il fait maintenant de la faiblesse humaine et des méchants. Et quand nous marchons, vous marchez dans la vérité de l'évangile des méchants, vous devez la masse. Quand tu marches dans les pas du Seigneur, tu marches dans les pas de l'évangile du Seigneur, la puissance de Dieu, tu donnes la masse. Mais quand tu marches dans le mensonge, tu donnes tout l'argent. Le diable se mène du mensonge. Mais la Bible dit que Dieu est lumière. La lumière s'appelle que Dieu est lumière. C'est pourquoi sur la famille, on est intelligent. Dieu nous a donné l'intelligence sur cette terre en disant que ça. Que celui qui marche dans la lumière, tu dis la vérité. Et quand il n'y a pas de vérité, emmène tout ça à la lumière. D'accord? Emmène tout ça à la lumière. Pourtant, ces gens ne savaient pas lire, ne connaissaient pas la Bible, mais ces gens savaient qu'il y avait déjà que le mensonge ne favorise pas l'être humain, mais c'est la vérité qui le fait triompher. Et c'est pourquoi Paul a dit que nous devons prendre à l'élection de l'âme spirituelle pour sentir la vérité. La vérité, c'est Jésus. Soyez entourés, soyez sûrs avec ça, par la vérité de l'évangile. Alléluia. Oh, les nous voulons sur la terre. Marchez la terre. Marche dans l'évangile. Il n'y a pas d'évangile, il y a des méchants. Et les gens essayent de dire que, mais l'évangile que j'ai reçu, ça, que je vais essayer, je vais chercher un autre évangile là. Ce n'est pas celui que j'ai entendu dire sur le toit, il prêche bien, ou celui qui parle de l'homme qui est aimé. Ça, c'est déjà le bon évangile là. Mais le bon évangile, le cœur, c'est Jésus. Amen. Et je termine, pour bien tout simplement sur la terre et la que le Seigneur, il est celui qui veut que nous entrons dans la dimension et de prendre la décision de Dieu de combattre. D'emblée, le bon combat de la foi. De laisser Dieu exercer ça pour moi. De laisser Dieu exercer ça pour toi à la fin. Parfois, on a commencé à faire. Peut-être notre problème. Peut-être pour ta maladie, peut-être dans ta famille, des soucis, peut-être dans ton travail, tu as déjà engagé Dieu, tu es sur le chemin de la bataille. Mais le Seigneur te dit, n'abandonne pas. Même si tu crois que tu es faible, mais n'oublie pas que celui qui est en toi
et plus grand que celui du monde. Le Seigneur a me fortifié. Remets tout cela dans la prière. Remets cela entre les mains du Seigneur. Et Dieu m'a exercé du mal. Dieu m'a donné ça, les directives. Dieu m'a donné en pile. Et mais, je vais être Dieu dans le domaine spirituel pour les choses spirituelles. Mais dans le domaine naturel, je vais être Dieu. Je suis là pour ma main. Amen. Il y a des personnes qui me voient comme ça, c'est un égoïste. En disant, bon, mais tu prêches, tu pries pour les gens, tu exerces le ministère. Il y a des gens qui m'ont vu en train de travailler dans le bâtiment, en train de me souffler. Oh. Mais je dis, Seigneur, je te bénis de ce que tu as rendu les mains en pile. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Les mains en pile en main d'argent. L'ouvrier mérite son salaire. Combien de personnes me demandent sur moi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je dis non, maintenant je suis engagé à la de l'église. Mais il y a une pensée humaine morale. Je dis sincèrement, je m'engage dans l'homme élevé. Je garde les marchés, mais Dieu m'a parlé fortement. Mais faut pas bien agir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la richesse pour les femmes. Quand tu pleures la richesse des aides. Mais quand tu rends tes mains à vivre les méchants, tu as même ton profit. Tu as même ton profit. Demande-moi les mots. Elle coûte très bien. Ah, elle coûte très bien. Au lieu de payer toute sa bière pour mettre des vidéos, pour faire pour les pantalons, etc., les méchants, elle coûte très bien. Je ne passe pas parce que j'aime très bien, mais je connais là pas. C'est quand il te le fait. Il y a besoin de vous. Vous savez pourquoi? Vous savez pas. Parce qu'il est le monsieur Martin. J'ai besoin d'elle, il y a besoin de moi. Et je la regarde, je dis non, tu n'as pas pris la mesure comme il fallait, sinon ton rigueur va vous clarifier. C'est là qu'il cache bien, si c'est ton nom, ok. Mais si on a coupé les uns, c'est fini. Est-ce que vous comprenez la main des méchants? S'il vous plaît, tout simplement, laisse Dieu payer ton compte. Laisse Dieu payer. Regarde, Jésus a dit, j'ai prié, les personnes étaient dans les méchants. Ils ont remis ça dans les mains de Jésus. Jésus a fait que seulement le monde passe à Dieu. J'ai entendu la multiplication. Quand tu vois le signe de la multiplication, la victoire dans ta vie, ça veut dire que ta main, tes mains sont constamment dans les mains du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, bienvenue. Nous allons reprendre la dévotion et les méchants et pendant ce moment la dévotion. Dans ce moment-ci, après avoir entendu l'écouter la voix de Dieu, nous allons prendre la Sainte Seine dans quelques instants. Et je demande aux frères de se conserver sur les chats, de s'approcher déjà de la table sincère. Et là où tes mains sont parties dans le livre, où tes mains ont besoin d'être en Bible, tes mains ont besoin de prospérer. Alors laisse-tu exercer tes mains. Dieu me donnerait les bonnes mains de l'église. Et quand tu as les bonnes mains de l'église, il y aura que les bonnes choses vont arriver dans tes mains. Parce que tes mains déjà bénies. Tes mains déjà sanctifiées. Et tes mains qui étaient l'ambissante. Tes mains qui étaient affaiblies. Tes mains qui étaient découragées. Tes mains qui étaient minces. Et le Seigneur veut fortifier tes mains. Il veut les fortifier. Alors ce matin, n'accepte pas la défaite. N'accepte pas que ta honte ne va pas dans le diable. Mais le diable doit être de la honte ce matin. Frères et sœurs. Alors prépare ton cœur. Alors devant la sainte communion, devant le corps et le sang de Jésus-Christ, ferme tes yeux déjà. Alors le Seigneur quelques instants et chantons avec moi de la gloire. Alléluia. Chantons et glorifions. Et remarche la parole de Dieu. Thank you.
Thank you.
Et tu as juste son ami d'aller plus.
Le Seigneur est sur nous. Amen. Si je n'ai pas.